Le projet UT, Human Atom Project, est un programme de recherche qui est né il y a 5 ans. L'objectif était d'établir un programme qui mettait l'humain au centre et de ne pas travailler sur uniquement l'évolution des technologies, mais le ressenti et le bien-être autour d'un environnement intelligent qui était l'habitat connecté. Nous travaillons à l'aide d'un dispositif inédit à Montpellier, un appartement observatoire qui est équipé de plus de 65 capteurs, dans lequel vivent un duo d'étudiants qui, à titre gracieux, occupent cet appartement et participent au programme de recherche. Ce qui est innovant, c'est le collecter de la donnée de façon automatique par des capteurs, par des objets connectés embarqués, tels qu'un bracelet, par exemple, connecté, mais aussi par, finalement, la façon dont les occupants ressentent cette expérience. Donc, nous avons une diversité des méthodes qualitatives qui sont mises en place par une équipe interdisciplinaire, avec des entretiens mensuels, un carnet de bord qui est rempli par les occupants, des parcours commentés qui permettent d'interpréter les données qui sont collectées par les capteurs eux-mêmes. L'appartement observatoire va prendre fin en décembre 2022. À l'issue de ces 4 années d'observation, UT va organiser une conférence mi-novembre à Montpellier et sera l'occasion pour tous les chercheurs scientifiques de venir travailler et témoigner de leur travail sur des environnements intelligents. Et SNIPS, scène rouge. Les perspectives du projet UT vont consister à sortir de l'appartement observatoire pour travailler davantage en lien avec un écosystème numérique urbain. Donc ce programme de recherche va s'inscrire dans le futur dans une logique au niveau national et nous invitons tous les partenaires intéressés à nous rejoindre pour écrire une nouvelle page du programme de recherche UT.